Yamina, Cédric, on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Resident Evil 4. Oh putain. On y va doucement. Tranquille. Voilà. Je te vois. Allez. Viens. Oh purée. Lettre dada. C'est à moi de lire. Ok. Lettre dada. Une fois qu'un œuf de Plaga a éclos, il est presque impossible de le retirer du corps avant ce stade. Les médicaments peuvent faire effet. Donc ça, ok. En dernier ressort, on peut tenter la chirurgie avant le stade adulte. L'opération est très délicate. L'intervention risque fort d'entraîner la mort du sujet. Je pense que l'œuf a été injecté dans la fille avant vous. Ses heures sont comptées. Préparez-vous au pire. Elle a mis un bisou. Quoi? Bisou. T'es sérieux là? Pourquoi tu veux un bisou? Non, on veut pas de bisou. Ok. Ok, bon bah alors au revoir. Hé hey connard, viens. Ah, oh, je te jure, celui toujours à casser la tête de tout le monde là. En plus, je sais qu'il vous manquait le vieux, donc c'est pour ça. Hein. On me l'a dit, hein. Surtout Curtis, qui commande beaucoup mes vidéos en ce moment sur Resident Evil 4, qui dit ah bah le vieux, la voix du vieux, elle me manque. Mais je pouvais pas y regarder à hentai. Donc en gros, bah, voilà, il était dégoûté. Allez, essaye de lancer des flammes. Voilà, ferme ta bouche. Et toi là-bas? Toi, ferme ta bouche aussi. Ok. Ok, ça là. Nickel. Ok. Donc celui-là, cet épisode durera à peu près dans les 20 minutes, je pense. Si on a... Si on se faillit pas dans ce qu'on doit faire. Voilà. Oh, il nous a vu. Oh, le bâtard. Bah, vous allez vous prendre une grenade. Ça va faire boum. Voilà. Et on descend. Ah, un trésor à gauche, à droite, je veux dire. Voilà. On avance bien dans le jeu. Ouais, clairement. On fait notre vie. Qu'est-ce qu'il veut lui là-bas? Allez, coup de pied. Il va mourir le vieux. Tu vas mourir, bordel. Ah, il a lâché un trésor, le papy. C'est excitant tout ça. Un vieux qui lâche un trésor. Ouais, en fait, non, j'aurais pas dû dire ça. Là. Le. C'est moi le tonneau? Donc, on peut pas passer par la porte qui est vers les vieux, qui était tout à l'heure. Il y avait une porte, mais on peut pas parce qu'il nous faut un objet. Donc, on est obligé de passer par là au début. Donc, allons-y. On y va tranquille dedans. Sans prise de tête. Ok. Donc, ok. Nickel. Donc celui-là on va s'en débarrasser facilement parce qu'ils valent rien du tout. Voilà. Alors je sais pas comme si c'est sur GameCube, PS2 et tout, si ça a été corrigé, mais je pense pas. Sachant que le jeu est vieux et juste on va dire
en remaster vite fait quoi. Je pense que le mec à la tronçonneuse est toujours buggé. Voilà, toi t'es mort et toi t'es mort. Si je dis pas de conneries, le mec à la tronçonneuse est buggé encore. Et pour le tuer, ben, c'est tout con, vous pouvez le tuer de loin, comme déjà j'ai fait. Mais je ne sais pas si j'aurai assez de balles pour le tuer de loin. C'est le gros souci. Voilà. Allez. Eh bien là toi que je te détruise ta gueule. Allez, faut juste lui péter son pas. Rasite de merde, voilà. Donc là le trésor, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont vu, alors pourtant il est bien voyant ce trésor. Bon, il rapporte pas la masse de thunes, mais il en rapporte quand même un peu. Si après vous voulez acheter un certain flingue, vous êtes obligé. Là, vous allez voir qu'il est bugué. Notre cher ami est bugué. Alors attends, est-ce que toi tu craches du feu? Nickel, donc en gros, deux coups il sera mort. Obligatoire. Vas-y. Va-t'en qu'il remonte, le papy. Va-t'en qu'il remonte. On va même pas chercher à lancer des coups de couteau. Parce que sinon, si elle parasite, ça fait chier. Voilà. Là, il est mort. Donc maintenant, on va prendre le fusil. Aussi. Par contre, je sais pas si le fusil va ré. Ouais, j'ai que 4 munitions de fusil. Ça va être tendax. Hein. Ça va être tendax du cul. Hein. On va tenter. Parce que mon fusil n'est pas amélioré. Donc, c'est le gros souci qu'il y a. Il m'en faudrait au moins 7 munitions, je pense. Ouais, j'aurais dit entre 7 et 9. Ah, il est apparu. Je suis en train d'essayer de regarder un truc. Ok. Voilà. Vas-y, dépasse ta petite tête. Voilà, redescends. Mec, à peine sa tête dépasse, il se met déjà baisé en 2 secondes. Allez, remonte ta petite tête. Oh putain, ça se trouve, ça aurait suffi. Je ne saurai jamais le. Je ne saurai jamais la vérité. Ouais, mais il n'est pas assez puissant ce flingue. Le truc à faire, c'était au pire d'aller à l'intérieur, de faire sortir le premier. Voilà. De le faire sortir. Voilà. Et puis de le bombarder. Jusqu'à après, bah, on va monter là-haut pour fusiller l'autre. Hein. Bon, c'est pas dit que on y arrive à faire ce que je voulais. Voilà. Le mec à tronçonneuse ne descendra pas. Il bug. On prend la thune. On rentre. Après rentrer, ce qu'on va faire. Allez, viens!
Fils de pute. Ça c'est le karma, j'ai dit fils de pute et ça m'a censuré, ils m'ont fait dégager. On va chercher la clé qui est là-haut parce qu'en fait c'est pour ça qu'on y va. Là si on passe et qu'on fait trébucher ça, ça passe. Et si on tombe juste derrière, voilà. Nickel. Ça évite de prendre des dégâts via les enfoirés de... Allez, puta, puta, ta mère la puta, ouais. On peut ouvrir en avant ça. Voilà. Et ensuite, donc, est-ce qu'on prend une grenade normale et qu'on leur explose à la gueule? Ouais, franchement, j'hésite à la lancer. Voilà. Nickel. L'onde de choc de l'explosion de la grenade est tellement énorme que ça nique tout easy. Dégage. Est-ce que tu veux me cracher du feu dessus? Ok, donc tu dégages. Ok. En quelques coups, ils seront morts. Toi, je sens que tu vas te transformer en bestiole. Je sens gros comme un pâté de maison. Ouais, tu sais quoi, j'ai vraiment pas envie de chercher la merde et de m'emmerder avec toi. Donc tu vas gagner une grenade aveuglante pour ta gueule. Voilà. Ouais, tout simplement. J'ai pas envie de me casser les couilles. Hein. Sachant que là on va devoir encore affronter des petits parasites. Donc si vous voulez pas vous faire chier à viser, prenez une grenade aveuglante pour ce qui va se passer maintenant. C'est la même chose qu'avec la dernière fois que Salazar. Voilà. Il y a des parasites qui sortent, le sol qui machine, et ben vous faites pas chier, grenade aveuglante, et vous prenez votre petit flingue, à l'occurrence moi le Red 9, et vous tirez sur ça. Parce que ça descend plus rapidement que celui avec Salazar la dernière fois. Voilà. Vous voyez, c'est un peu plus rapide. L'audition, juste qu'il manque ici, j'ai droit à un trésor. Voilà un petit peu. 2000, 1500 plus d'état, c'est l'autre, ça devait être encore peut-être 1500 ou 2000. Et ben c'est cool. Et ben franchement, c'est cool, on avance bien. Parce que, bientôt, je vous prépare un let's play de folie que je vais bombarder à mort. Donc, voilà. Donc je vous prépare. Donc il y aura peut-être des let's play en pause le temps que je fasse le let's play principal. Mais je pense que dans les deux cas il va vous plaire plus que ceux que je suis actuellement. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Et ça tu vas là et toi tu vas là. Voilà tout simplement. Le fusil on peut pas charger. Le TMP. Ouais, j'hésite si on utilise le TMP pour ça. Ouais. Le TMP, on en aura besoin. Prenez un TMP ou quelque chose qui mitraille bien ou qui a une grosse portée. Enfin, une grosse portée d'impact. Parce que le but, ce sera d'accueillir le moins de villageois. Voilà, on les écrase, on les tue. Eh, hey, connard! Allez, on va essayer d'en faire tomber un peu. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser juste une petite herbe. Le fusil à pompe. Voilà. Là on va devoir esquiver avec L2 et R2, je sais plus quoi. Voilà. Ah ils l'ont arrêté.
Ah, ta mère. Ta mère, c'est une poufiasse. Vas-y, je vais mettre la grenade de feu incendiaire. Toi, je te pète la gueule. On pourrait frapper le vieux et activer... Voilà ça. Ça éviterait de ramener plus de villageois sur notre gueule. Ok. Donc déjà on avance bien. On va éviter à l'occurrence un one shot de la tente du Plagas développé là. Sachant qu'on est à la fin du niveau bientôt. Ça me ferait yesh, vous voyez. Nice. Quand ça va faire une énorme descente, c'est que le niveau est fini. Toi, tu dégages. Ok. Bon, il me faire one shot. Oh. Nice. Elle s'est fait dégommer la poufiasse. Voilà. On a bientôt fini le niveau. Voilà, bientôt fini. Voilà. Le niveau va être fini. Il va falloir appuyer sur une touche pour s'en aller. Rester le maximum possible. Voilà. Et tout. Parce que là, ça va être la fin. Ouais, là on va devoir appuyer. Donc toi tu dégages. Et laisse-moi appuyer sur mes touches. Allez! Hop là! On a maté, on a appuyé, carré, 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 carré pour pouvoir se lever. Et. Ah, faut pouvoir finir ce putain de niveau. Voilà. C'est nickel. Et là je parie que derrière il manque des trésors, des conneries, quand même. Je parie qu'on s'est fait baiser derrière. Bah oui, on s'est fait baiser. Ah putain, on s'est fait baiser des munitions et des putains de trésors de con. Bon, on ouvre ça. Voilà, on récupère donc le truc qu'il nous faut pour ouvrir la porte. La porte du fond va s'ouvrir, bien sûr. Et puis voilà. Voilà. On remonte. On est ici. L'entrée qu'il fallait pour la sortie qu'il fallait. Et maintenant, nous allons pouvoir ouvrir cette petite porte et nous en aller et dire adieu à la fin de ce chapitre. Parce qu'il y aura un ascenseur. Voilà. Et il n'y aura pas de cinématique. On va se laisser directement par un fin de chapitre 4-3. Voilà, c'est ça. Le prochain sera le 4-4. Bon. Et ben, en tout cas, les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et vous abonner. Et on se dit à très bientôt et à la prochaine. Ciao, ciao, Mina.